Ouais, il a le prochain vent éthéri, il est vraiment loin sa mère. T'as vu, il y a 3 éthérites dans la zone en tout. Hein. Il y a. Bah maintenant, dans les. Enfin, ça fait un petit bout de temps qu'il y a 3 éthérites dans toutes les zones, hein, en vrai. Ah ouais? Bah oui, oui. Je croyais que c'était 2 en général. Non, non, on regarde The Endwalker, c'est 3. Hein. Je me souviens plus de tête, honnêtement. Enfin, ça dépend lesquels. Mare Lamentorum, c'est 2, Elpis, c'est 3, Garle Mal, c'est. 2. Tavenir, c'est 3. Ah, attends, ceci dit. J'ai l'impression que je peux quand même pas aller par là. Je suis allé au sud et j'ai l'impression que ce n'est pas accessible. Ah, t'es bloqué au bout d'un moment ? Ouais, j'ai l'impression que c'est pas accessible. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un relief tout le long quand même. Ouais. Et tu vois, il va peut-être falloir passer par la zone. Tu vois, il y a des espèces de ponts ou je sais pas quoi. C'est peut-être par là qu'il va falloir passer. Ouais, probablement. On ouais. va aller à l'éthérite au sud-est. Déjà, je pense qu'il faudra passer par là. Et ensuite, il y aura un passage vers la. T'as raison. C'est très probablement le cas, ouais. J'aime bien quand les zones sont coupées en deux comme ça. Ah oui, mais là, j'ai l'impression que je peux quand même y aller, mais c'est juste que le chemin risque d'être un peu long, quoi. Ouais. Windows, clairement, d'Aest plutôt que Mac, le jeu. Le jeu est gratuit jusqu'au niveau 70, absolument. Ouais, jeu de base plus les 2 premières extensions, et ça vous assure 250 heures de jeu facile, et je pense, je serais curieuse, non, beaucoup je sais plus, qu'il y avait beaucoup, des gens qui avaient fait le test. Beaucoup plus que 250. Non, je l'ai dit au minimum. Ah non, mais même, non. Au minimum c'est... 250. Au minimum, je dirais même, c'est beaucoup plus, hein. Pour de vrai, hein. Bah, ça dépend à quel point tu veux monter toutes tes classes. Non, même en allant en ligne droite dans la MSU seulement, je pense que c'est beaucoup plus, hein. Sauf si tu skip toutes les cinématiques, bien sûr. Non, je parle de quelqu'un qui respecte le jeu. Mais ouais. Mais il y avait quelqu'un qui avait fait une vidéo YouTube en mode avec l'essai gratuit. Enfin, il y en a plusieurs, mais... Des gens qui ont fait l'essai gratuit au maximum de ses possibilités, mais à l'époque il n'y avait pas encore Stormblood et il y avait eu un nombre d'heures qui était sorti, mais je sais plus combien il était. Ah oui. Quelqu'un qui avait fait, je sais pas, les quêtes tribales, les raids possibles, peut-être pas les sadiques ou quoi non plus, tu vois, mais. 1600 et quelques, je crois. Ouais, et ça c'était avant qu'il rajoute Stormblood, donc ouais. Je vous laisse imaginer. Mais ça c'est vraiment si vous surponcez le jeu, quoi. C'est. Ah, est-ce que je peux... Ah, j'ai l'impression que quand même je peux pas, hein. Ah non, non, ah, non. T'es bloqué par un truc ou non, non. Je regarde. Mais j'ai effectivement l'impression que c'est scindé en deux. J'ai effectivement cette impression. Mais du coup, je pense que tous les vents éthérés qu'on pouvait choper... Oui, on les a chopés. Dans la zone où on est, on peut pas en faire plus, je pense. Non, je pense pas non plus. Je regarde un par... Ah non, effectivement, ça a l'air d'être... Ah, je suis sûr que si je découvre cette partie, par contre, je passe niveau 91, là. Vas-y. Là, ça ressemble à un endroit de quête tribale, ou c'est moi, non? Oula, ça, tu peux pas vraiment savoir, en vrai. Je sais pas, il y a un enclos qui tient rien, genre. Ah non, c'est le pommier... Ah, c'est les... Enfin, c'est pas des pommiers, mais c'est... Je dois avoir 1500 heures en ayant à peine fini une Walker. Oui, effectivement, ça m'étonne pas. Attends, temps jeu, moi j'ai passé combien de temps sur le jeu? Je regarde moi. 47 jours. Quasiment 48. Ouais, bah moi c'est 201 jours, 9h et 40 minutes. Voilà. Voilà le geek de merde. Je pense qu'en un fait. Geek de merde. Je crois que l'escalier il est là, mais faut le réparer, je pense. Ah. Après, il y a peut-être des boules bleues qu'on n'a pas chopées pour ça. Il y a des chances. Ah non, ça m'a pas fait... 490 jours, ah oui. Ah, j'ai 441 jours ici, ouais, ouais. Les nerds, quoi. Ah oui, vous avez game un peu quand même, hein. Les nerds. Oui, okay. C'est vous, ma bible, en fait. Hein. C'est quand je me tourne vers vous, quand j'ai besoin de savoir d'où vient ce... Ouais, j'ai 4800... ou cette mascotte, vous savez, hein. Du coup, j'ai 4834 heures. Voilà. Et alors du coup, 49 x 24, je suis désolé, je vais pas le faire de tête, hein. Moi j'en ai 1176, du coup. Est-ce que c'est le jeu c'est auquel t'as plus joué dans ta vie? C'est sûrement le jeu auquel j'ai plus joué dans ma vie, ouais. Va pareil, de très loin même. Je serais très curieuse de savoir combien de temps j'avais passé sur les Sims quand j'étais... Ah oui. Quand j'étais jeune et fringante. Mais
Sachant que c'est un jeu, du coup, auquel j'ai sûrement le plus joué et qu'il y a encore plein de choses que j'ai jamais fait, que j'ai jamais touché et que je sais pas faire, quoi. Après, moi, j'ai passé un temps non négligeable aussi devant le... devant ma... dans ma chambre d'auberge aussi. Ah oui. À remater des vieilles cinématiques. Mais ouais, en fait, cette zone, on dirait Tavener en mieux. Ah, je trouve. Moi, je trouve que la zone Tavener, c'est... mouais. Ah ouais ? Bon, je suis pas un fou de la zone de Tavener, quoi. T'es pas un fou de la zone de Tavener ? Non. Fou de la zone de Tavener. Fou de Nibar. Georges Brassens, fou de Nibar. Bien sûr. Ça ne me fera jamais pas rire, ça. J'avoue, elle est pas ouf. Ouais, c'est vraiment... ça. Bah, c'est... Ah ouais, moi, j'adore Tavener. Tu trouves que c'est genre... par rapport à toutes les autres zones d'Endwalker, tu trouves pas que c'est la moins bonne ? Bah, en fait, c'est vache parce que les zones d'Endwalker, genre, c'est pas des zones anecdotiques, quoi. Quoi, c'est vraiment des trucs. Garde le mal, c'est nul. Quoi ? Non, t'es un fou. Garde le mal, c'est incroyable. Comparé à tout ce qu'on nous a dit de Garde le mal, c'est naze. Non, je suis vraiment pas d'accord. Ça s'explique. Ah non, mais même moi, je trouve ça vraiment trop bien, Garde le mal. Non, non. Tout le build-up à ouais, Garde le mal, voilà. Ah, je suis vraiment pas d'accord. Bah justement, c'est un pays en ruine. C'est un pays en ruine. Ah non, moi, Garde le Mal, je trouve ça incroyable. Mais j'aime trop l'art Garde le Mal. Est-ce qu'on va faire la reconstruction de Garde le Mal comme ils ont fait pour Doma et... Je pense que oui. En début d'extension, dans les dialogues, ça parle de reconstruction de Garde-Mald. Oui, oui, oui. Puis même, ils ont dit qu'il y aura un nouveau truc de type reconstruction d'Ishgard. Et tout à fait. Puis en plus, ouais, Garde-Mald, ça devait te rappeler un petit peu Saint-Etienne quand il était Mintos. Ah ouais, ça devait un petit peu... tu te sentais à la maison, ça, quoi. C'est une fan du chat que t'as lu, ça, je reconnais, ça. Tout à fait. On parle de Garde-Mald, je sais pas. Ah, tu te sens chez toi, quoi. Ah ouais, mais c'est... Tu vas Garde le Mal, tu te dis putain, ça c'est vraiment, c'est mon terre-terre ça. Mais toi t'aimes bien cette zone là parce qu'elle est connue. Ah bah oui, complètement. Ah voilà, tu vois, moi c'est Garde le Mal, toi c'est cette zone là. Bah après, moi je trouve vraiment cette zone là, elle est vraiment trop belle. Hein. Kozamauka. Hop là. Et du coup, on m'avait dit qu'à Tuliolal, quand je montais en haut du palais, il n'y avait pas de boule bleue. Je vais quand même aller voir. J'ai croisé une boule bleue là. Moi j'ai 4 boules bleues là pour l'instant là. Ouais. De toute l'extension là. C'est bien en fait. Non, il y en a pas. Je vais quand même aller voir. Je suis quand même très étonné que là où il n'y a pas de boule bleue quoi. Comment dans la moto ? La moto, c'était pas une carte sur l'île. Je l'ai eu sur l'île, la moto. Ah, tu l'as eu sur l'île ? Ouais. Mais c'était pas une quête genre FF15 ? Non. Pas que je sache. Ah non, c'est la voiture Batman, là. Oui, c'est le Regalia. C'est la Batmobile. C'est le Regalia. Regalouze. Regalouze. Tiffanzouze, Regalouze. Bon. C'est la troisième zone, moi. Ah, le bâtard. Ah, je suis presque 95, vas-y. Je suis même pas 91 encore. Le nulos. Mais oui. Oh, le nul. C'est deux jours, c'est sorti, il a pas pris un level. Mais oui, je suis d'accord avec toi. T'as dit quoi ? Il a dit que ça fait un jour que le jeu est sorti, que j'ai même pas pris un level. Moi, j'avoue, cringe. Bah oui, cringe de fou, hein. Peut-être que si t'avais pas fait autant de glam avant, Florence, peut-être que je serais... Oh, voilà, c'est ma faute maintenant. Voilà. Et ben Antoine, t'aurais récupéré plus de boules bleues, et ben laisse-moi te dire que tu serais level 80. Justement, je suis en train d'en chercher. Qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? Je suis en train de récupérer... C'est qui, celle-là? Qu'est-ce qu'elle me veut? Je suis en train de récupérer des... Je suis en train de chercher des boules bleues, là. Par contre, il s'est chauffé, là, pour la troisième zone... Token. La musique. Ouais, dis rien, dis rien, dis rien, dis rien. Ah, je dis rien, hein. Pardon, excusez-moi. Antoine ? Je suis tombé. Ah. Vas-y.
Oh, faudrait qu'on fasse des cartes trésors aussi. Non, j'adore non, ce contenu. Ouais, carrément, mais on va surtout faire la MSQ, je vais pas te mentir. Bon, on va pas faire que la MSQ. Ah, en live, non, mais hors live, je peux te dire que c'est MSQ. Hein. Ah, oui, mais moi, je te parlais en live. Oui, si tu veux. Mais après, je crois qu'il faut quand même. Le contenu des cartes de trésor. Ouais, ouais. J'ai envie de monter le picto aussi. Yes, voilà. mais il faut être niveau max pour faire les cartes au trésor, je crois. Pour. En tout bon, cas, les. On fera de fin de Endwalker alors dans ce cas-là. Oh, mais c'est vrai qu'il y aura des nouvelles. OMG. Oui, il va y en avoir des nouvelles. Ouais. Oh, faut que je monte mon bûcheron là. Ton bûcheron. Le bûcheron. C'est ça. Le bûcheron. Botaniste. Non, botard. Le botaniste. Tout et à c'est fait. Menuisier, oui. Menuisier et botaniste, j'ai fait bûcheron. Genre là-bas, il n'y a pas de boule bleue là. Les donjons des nouvelles cartes ne sont pas encore sortis encore, je crois. Putain, je peux monter par là en fait ici. OMG, des nouvelles mascottes. Oui, mais c'est triché. Oh, ouais. Oh le vent. Ah, d'accord, les donjons des nouvelles cartes sont prévus pour la 7.05. Mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même faire des cartes trésors. Tout à fait. Moi, la dame. Yes, Mintos. Vas-y. Bah non, on disait rien. Ok. Non, je disais, moi, la dernière fois que j'ai fait des cartes au trésor, Florent, j'ai eu... J'ai loot la mascotte à 25 millions, là. À 25 millions ? C'est ouais. La mascotte Metzelk ? Le Metzelk. Ouais. Elle est... C'est dur que ça à avoir ? Oui. Bon, oui, c'est très rare. Mais putain, je la vois hyper souvent. Bah, c'est juste que tu croises beaucoup de dégènes, en vrai, hein. Ça, c'est possible. Je suis pas non. Yes, Mintos. Je me suis pas harmonisé. Le nulos. Le bouffe. Oh, je suis l'autre bout, non, le bouffe. Chier, la merde. C'est pas harmonisé le nulos. Bon, vas-y, je me casse. Le bouffe. Je vais là-bas, je me casse. Vas-y, ça s'ouvre. Putain, y a pas de boule bleue, le chat avait raison. Et c'est un scandale qu'il y a pas de boule bleue ici, hein. Ça arrive à la 7.05 en toi. Ah non mais attends, c'est quoi ce délire là? Vraiment. Vraiment. Il devrait forcément y en avoir une. Combien de gil France? 4 millions. Van? 24 500 000. Et toi Mintos? Et dans les 24 millions, il y en a combien qui sont à la guilde? Ah non, c'est ça, c'est ma fortune à moi. Le reste est dans le coffre, sinon. Ah ouais? Ah oui. Et toi, Mintos? Hein? Oui. 2 millions? Oui. Le nulos! Bah, toujours moins que dans la vraie vie véritable, hein? Oui. Ah, le nulos! 2 millions 3. Pauvre. Mintos TV sur Sprigant, n'hésitez pas. Ah, t'acceptes les dons de Jill sur le jeu? Non, moi, je refuse. Catégoriquement. Il refuse, voilà. Je suis pas une michto, hein, c'est bon. Hein. Pas un michto. Ouais. Je suis un michto IRL, pas dans le jeu. Si vous voulez donner à toi, donner à moi, c'est tout pareil. Ah, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres boules bleues ici, ouais. Moi aussi, je cherche les boules bleues. T'es où? Tuyolal. Ah, aussi, pareil. Tuyolal. Tuyolal. Tout à fait. Oui, je suis monté sur le phare, ouais, tout à fait, on l'a fait tout à l'heure. Trop facile. Putain. Tellement simple. C'est le truc le plus simple du jeu. Du coup, je me suis spawné le truc qu'il faut pas dire et j'ai envie de mettre là. Quel truc qu'il faut pas dire? La zone qu'il faut. Il faut pas qu'il le dise justement. S9, tu veux dire? Non, oui. Ouais. Ah, moi j'ai trop hâte d'être à S9 aussi, hein. Mais je pense j'ai que une question de Bébou. Comment est-ce qu'on a rodé jetons de... Pour les servants, je me souviens plus. Tu les achètes auprès de ta compagnie libre, en tout cas moi c'est ah, ça c'est ce que je fais. C'est la réponse que j'avais peur d'avoir. Putain. Pas oublié de faire les ventes intérieures. Oh t'inquiète, je vais pas oublier. Mais même si je les fais maintenant ou pas, en fait je pourrais pas voler maintenant. Ouais, les jetons de tâche, j'en ai plus et tout. Du.
Ou non, je ne vais pas à Gridania, non. C'est hors de question. Je sais que l'ambiance n'est pas la même. Et cette quête du Corse. Putain, mais y'a pas genre... Funnel Gaming. Boule bleue, là. C'est bien, Archer. Moi, j'adore et je trouve que c'est une classe qui est super pour débuter parce que tu peux jouer à distance et t'es très mobile. Ce n'est pas Archer, c'est Barde. Ouais. Les pauvres, si je commence à leur dire ça, ils vont... Ah, ça n'a rien à voir. Actuali. Attends. Oh, là, je sens que je tiens un truc, là, ici. Je tiens un truc, c'est sûr. Y'a pas un monde où je tiens pas un truc, là. Putain, y'a rien. Ils mettent pas les boules bleues où il devrait y avoir des boules bleues Il devrait y en avoir. Le plaisir n'en sera que plus grand, Antoine. Un truc en train de se edge sur les boules bleues. Ouais, de fou, là. Ah, attends. À moins que... Ah non, c'est l'autre côté. Ouais, mais attends, y'en a pas l'autre côté, sinon. Je sais pas. Oh, mais c'est parfait, ça. Ah, putain, faut que je monte. Je sais pas si j'ai besoin de changer de classe ou pas. Je mets des boules bleues, là. Ça, c'est nickel. Antoine connaît mieux que les devs de fou. Attends, c'est où? C'est là, je crois. Pas logique qu'il n'y ait pas de boule bleue là. Ouais, pas logique, pas logique, pas normal. Genre, il n'y en a pas une là-haut, quoi. Avec le nouvel effet de brume, il y a des zones de Rim Reborn qui sont vraiment stylées suivant la météo apparemment. Ah, ça m'étonne pas. Et entre Faucheur et Samouraï, c'est des persos, c'est des classes que je joue pas, mais vous pouvez pas les jouer au départ. Non. Faucheur et Samouraï, c'est à partir d'un certain level. Tout à fait. Samouraï, c'est 50, si je dis pas de bêtises, et Faucheur, 70. Donc la question ne se pose pas, mes chers compatriotes. Moi, Samouraï, c'est une classe que je n'aime pas trop, j'avoue. Moi, j'aime bien Samouraï. Alors que Faucheur, j'ai vraiment adoré. C'est la seule classe de DPS corps à corps que j'ai adoré. The one and only. Après, vous inquiétez pas si vous commencez, par exemple, je sais pas, avec Bard et que vous avez envie de switcher sur Samouraï ou Faucheur pour faire la suite de l'NSQ, c'est tout à fait possible. Hein. Ah oui, totalement. Donc, faut rire. Ah oui, oui, vous serez jamais stuck avec une seule classe. Mm. Tu n'aimes plus Machiniste? Si, si, j'aime beaucoup, mais c'est juste que j'ai préféré jouer d'autres choses. Tu peux pas le faire. Ouais, je l'ai pas assez, je l'ai pas boost du tout sur le endgame d'Unwalker. Mais non, je l'aime c'est toujours. C'est nouveau les mirages sur les servants, ça me dit rien. Ah non, non, c'est vieux. Tu vas monter le niveau 90 pour demain? Bon, je sais pas si je pourrais vraiment le monter 90 pour demain, mais... Mais l'idéal même serait de le monter 91 pour être tout à fait honnête. Ah, j'ai très envie d'essayer. J'ai très envie d'essayer le Picto. Ah, c'est trop bien, Pictomancer. La Suisse qui élimine l'Italie 2-0. J'aimerais bien essayer demain, justement. En fait, le truc, c'est que je voudrais avancer la MSQ, mais d'un autre côté, je veux. Je voudrais vraiment essayer Picto, quoi. Est-ce que c'est bien de monter 50 classes? Alors, en vrai, quand. Fais la MSQ tant qu'on est en live, je veux dire, tant qu'on n'a pas fini le premier donjon, je pense qu'on arrêtera de faire la MSQ au live quand c'est on aura fait le premier donjon. C'est ce que je me dis un petit peu. Le reste, tu le fais à côté, quoi. Est-ce que c'est bien de monter 50, enfin level 50, une classe pour ensuite passer Samouraï et ensuite attendre 70 pour passer Faucheur? Bah, vous pouvez si tu vous peux, voulez. Enfin, peux. En fait, il n'y a pas de règle. Tu peux. T'as l'envie, il y a des gens qui font une extension pour chaque classe ou quoi. Si vous avez envie de faire ça, c'est possible. Si vous voulez faire toute la MSQ avec la même classe, c'est possible aussi. Enfin, genre, vous êtes très libre, en fait.
évidemment, l'XP est exponentiel. Enfin, passer de niveau 1 à 10, ça va vite. Et passer de level 90 à 100, ça va être très long, quoi. Évidemment. Non, mais sentez-vous libre. Et en plus, comme vous gardez toute l'XP, comme vous faites tous au même personnage, avec toutes les classes sur le même personnage, toute l'XP que vous avez incorporée avant, elle n'est jamais perdue, donc... Oui, carrément, oui, totalement. Si c'était la MSQ qu'on faisait Eldo avec Antoine, là. C'était tout à fait la MSQ. Mais ouais, pour l'instant, un début très très léger de MSQ. Un ton très léger, je veux dire. Mage noir, level 57, un jour il faudra monter, Florence. Un mage noir, c'est un sacré truc. Précisé que ça, Florence. Hein ? Hein ? Non, j'ai pas compris ta vanne. Sur ton âge, je pense. Ah. Non, du mage noir level 57, il était pas si vieux que ça. Ah oui. Non, mais il faut ouais, pas parce que moi, j'ai la que blague, deux classes niveau 90 en vrai. Moi, je suis vraiment un bébou de tous les bébous. Hein. Hello, c'est encore jouable de commencer F14 depuis le tout départ aujourd'hui ? Oui, bien sûr, complètement. Ah oh, oui. Totalement. Complètement. Complètement. Vous savez, il y a des gens qui commencent F14 tous les jours. Hein, donc, Puis même, là, vu qu'il y a une extension qui vient de sortir, il va y avoir aussi un afflux de plein de nouveaux joueurs. Oui. Et du coup, tu vas te retrouver aussi assez facilement avec plein de joueurs qui auront plus ou moins le même niveau que toi. Exactement. Et du coup, vous n'allez pas galérer à attaque sur les donjons, genre, je sais pas. Ah bah, quand vous êtes DPS, en vrai, ça va prendre plus longtemps. Si ah, vous ça jouez... prend forcément plus longtemps, mais oui. Peu importe depuis combien de temps tu joues au jeu, depuis peu importe oui. Ton level, globalement, DPS, comme n'importe quel jeu, tu vas forcément tag en plus de temps que quand t'es healer ou tank. Oui, voilà, DPS égale attendre en roulette, c'est dans le contrat, c'est dans les petites lignes, exactement. Complètement, c'est vrai, hein. Mais après, moi, il y a plein de trucs que j'aime bien faire pendant ce temps. Ah, t'as plein de trucs. Oh, par... L'Aléa. L'Aléa. Le Jacta, pardon. Le Jacta. Oui, quand tu attends, tu peux par exemple faire de la récolte, du craft, ce genre de moi, trucs. Moi, c'est comme ça que j'ai monté mes classes de craft et de récolte. Hein. Généralement, c'était en taguant en donjon. Hein. T'attends pas juste comme un con, quoi. Il y a quoi comme classe de tank ? Quelqu'un qui a demandé. Classe de tank, il y a. Paf. Il y a paladin, guerrier, chevalier noir et pistos sabreur. Moi, je n'ai aucun tank de montée, c'est la catégorie qui me manque, avec DPS de mêlée aussi. Ouais. Ben moi, c'est vraiment les deux catégories que j'aime le moins, perso. On peut avoir combien de métiers ? Je crois qu'il y a 8 classes de craft et 3 de récolte. Sachant que globalement, je vous conseille de monter une classe de récolte et une classe de craft en même temps, parce que l'un et l'autre, genre botaniste et menuisier marchent bien ensemble, en fait. Il y a plein de gens qui montent toutes leurs classes de craft, enfin pas toutes, mais moi je l'ai fait trois, j'en ai fait trois en même temps, je crois. C'est souvent conseillé de le faire en même temps. Ouais. C'est pas 20h d'ailleurs le méga cacpot ? Non, c'est un peu plus tard, je crois. Ah oui, on est samedi, c'est le jour du méga cacpot. Bah ouais, tu l'avais fait ou pas ? Bah j'ai pris mes billets, ouais. Ah, moi j'avais oublié, moi. Donc je l'ai fait à temps, mais... Ah, c'est 21h en été. Ah, c'est pour ça que je croyais que c'était 20h. Ok. Vous avez raison. Il y a un haut de voltige, Antoine. Mintos. Oui, j'arrive bientôt. Je vais juste rendre ma quête devant Éthéré et passer niveau 91. Non, j'avoue, parcourir... J'ai plus l'habitude de parcourir une zone sans pouvoir voler. J'ai tellement plus l'habitude. Ouais, ça fait bizarre, hein. Ah, de fou. Oh, vous prenez des mandats pour farm ? Oh là là, non. Tout sauf ça. Et boum, niveau 91 ! Bravo, Antoine. Voilà. GG. Oui, alors le haut de voltige. Je me souviens plus, c'est à quelle heure du coup le méga cacpot ? Je me souviens plus, c'est 22h, 21h, non ? 21h, heure d'été. 21h. Voilà, Minto, j'ai gagné un level. Oh mec ! Tu level combien, Mintos ?
95 95, là, bientôt. 4... Ah oui, putain, t'as fait que ça, non? Oui, oui. T'as streamé aujourd'hui ou pas? Oui. Mais t'as pas streamé FF14? Non. T'as streamé Elden Ring, j'ai vu tout à l'heure. J'ai streamé Snowplowing Simulator et Elden Ring. Lequel des deux était meilleur? Lequel des deux est objectivement un meilleur jeu? Ah, Elden Ring. Ah ouais, t'es sûr? Ah ouais, hein. Ouais, malheureusement. Pas. Bah, l'autre n'a pas eu le GOTY jusqu'à preuve du contraire. True. Malheureusement, l'autre, c'est une niche, quoi. T'as fini le Hot Voltage, Florence? Work in progress. Dites rien. T'es tombé, dites c'est ça? Non. Si. Non. Si t'es tombé, je sais pas comment tu fais pour tomber sur ce niveau. Tellement facile pourtant. Pour moi, c'est juste impossible, mais bon. Moi, j'ai pas passé 400 heures dans le Hot Voltage, Antoine, en fait. C'est vrai. Moi, j'ai fait des trucs genre lire des livres, par exemple. Genre quel livre? Genre des livres. Mein Kampf? Du coup, t'as lu des livres, mais t'es à chier au Hot Voltage, donc bon. Ouais, quel est l'intérêt? C'est bon, j'ai fini le Hot Voltage, Florence! À quoi bon? Genre l'autobiographie de Mintos. Par exemple. Bah, c'est pas le nom du livre que je viens de dire? J'ai eu quoi? Ah non, c'est, non ça, pardon, my bad, j'ai oh. confondu. J'ai confondu. Attends, qu'est-ce que j'ai eu? C'est quoi ça? Comment t'appellerais ton autobiographie, Mintos? Has been avant d'être been. Ah ouais. Vaut mieux, hein. C'est pas mal. Et toi, Antoine? Le GOAT, tout simplement. Le GOAT ou le GOAT, tout simplement? Le GOAT, tout simplement. Ok. Le Goudu. Ma vie, mon jus. L'homme au milopé. Du jus et des larmes, bien sûr, Mintos. Des poules et un homme. Dommage, en tout cas, si tu veux faire une bio, Mintos, je te conseille de demander à ton chat. Okay. Ou au mien, ils ont plein d'idées. Là. On n'aura pas le triplé. Comme tout le monde. L'homme au mille jeux. Je suis allé à l'Arcadia hier, j'y ai pris un jus de Mintos et c'est pas mal en vrai. Oui, il paraît que c'est pas mal. Mais tu sais, c'est le... Bah, tu devrais mieux le savoir que personne, non? Ah, moi, j'ai pas eu le choix, hein. Ouais, c'est vrai qu'il t'a même pas demandé, hein. Non, non, mais ils vendent juste le pognon. Mais oui, c'est vrai en plus. Oui. Attends, vraie question. Est-ce qu'il t'a demandé l'autorisation avant de le mettre dans le bar? Oui. Ah ok, bon, ça va alors. Ça va, ça va. C'est vrai que ça aurait été bizarre qu'il le fasse pas. Oui. C'est quand même ton nom. Fait... Ah, au fait, oui. J'ai oublié de te dire, mais... Et si t'as fait signer un contrat? Non. Ah, tu peux procès alors. Ah, la faille. Tu peux procès. Oh mec, go. Mais attends, quelques années. Ah oui, t'es chaud. Tout de suite, faut faire fructifier là. Ah oui. Alors pendant 10 années, Frédéric Molas a utilisé mon nom, mon image pour se faire de l'argent. Sans aucun contrat signé, bien sûr. Il n'y a aucune preuve écrite. Quoi que si. Ouais, tu supprimes les messages Discord, mec. Et hop. Monsieur Molas s'est servi de mon nom et de mon image. Demande 5 millions. Pourquoi j'arrive jamais à me repérer dans le Gold Saucer, c'est une dinguerie. Tous ces gens au rang, là. Après, il vient de faire un aveu oral qu'on peut clip. C'est vrai. Oui, mais vous feriez pas ça. Oh, le procès va être incroyable. Vous voulez pas que Mintos perde de l'argent quand même, si? Oh non. Pitié. Plus que ça. De toute façon, on sait pas, hein. Je suis peut-être délirant, hein. Je suis peut-être fou. Les opiacés, on sait pas dans quel état je suis, hein. C'était pour l'effet comique, son aveu, il ne le pensait pas, votre honneur. Tout à fait. Voilà.
Mode d'entertainment. Moi j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble l'Arcadia. Je suis allé avant que ça ouvre, mais c'est pas mal. Ouais. Un titre, je sors encore chez moi. Oui, c'est pas juste sortir de chez toi, c'est aussi aller très loin. Oui, c'est hein. Un peu plus que ça, oui. Mais c'est déjà sortir de chez moi, c'est bien. Personnage chaud sur la musique. Très non, vite. Il n'est pas sur la carte, le jeu de Mintos à l'Arcadia. Il n'y a pas de contrat, mais si je me trompe pas, le jeu de Mintos n'est pas sur la carte, faut demander au bar, donc pas de preuves. Ça crée embrouille, hein, en tout cas, ouais. J'aimerais pas être le juge qui va devoir gérer ce dossier, là, hein, parce que là, franchement, des pages, des pages, des pages de conclusions et de preuves. Pour le jury, là, pas de facile. Toutes les pièces à joindre, là, de la part des avocats. Pièce numéro 172. Le clip de la chaîne d'Antoine Daniel, là. Mais sur le ticket de caisse, il doit bien y avoir marqué quelque chose. Ah oui, ça c'est vrai ça. Il est susnommé sous quoi le cocktail? Oui, j'avoue, c'est vrai là. Tiens, tiens. Je crois qu'on vient de mettre le doigt sur quelque chose d'intéressant. Sortez-moi une facture là, de l'Arcadia là. Les boissons mystères? Ah non, non, merde. Non. Non. T'as fait l'école de magistrature, tu te retrouves avec ça sur les bras, tu te dis putain. Après, vous savez, le nombre de conflits un peu nuls en droit, genre notamment les conflits dans le voisinage, c'est vraiment une énorme partie du contentieux en France, et c'est souvent des trucs un peu nuls, du genre le voisin a mis sa clôture 50 cm trop près de ma. Enfin, 50 cm sur ma parcelle, tu vois. C'est vraiment. Je vous jure que c'est vraiment un nombre non négligeable de contentieux, quoi. Mais c'est aux States où ils ont vraiment la culture du procès, ils en font dans tous les sens tout le temps. Oui, il y a un ratio énorme par nombre d'habitants. Même tu le vois même juste aux pubs pour les avocats qu'il y a partout en fait. Ah ouais, ça c'est un truc qui m'avait le plus choqué quand on était allé aux États-Unis. Ouais, pareil. Est-ce qu'il y a un dessous de verre Mintos quand on te sert le jus de Mintos? Ah tiens, tiens. Il a repeint le mur. Non mais vous rigolez, mais je vous jure qu'il y a vraiment un nombre incalculable de contentieux et de trucs un peu concon du genre. Hein. Son arbre me gâche la vue, les poules font trop de bruit. Des sacrés connards. Tu me demandes. Ça doit être sympa, hein, cela dit, quand t'as un procès avec ton voisin. Quand t'as un procès avec ton voisin et que tu vas devant le juge, tu te dis, bah putain, si ma maison flambe, l'autre il appelle pas les pompiers, quoi. Ouais, puis si le procès lui va pas, en plus t'as une chance sur deux pour qu'il te mette un coup de chevrotine le jour d'après. Donc, non, ça c'est Cassandre-Étienne, ça. C'est... Bon. Il y a un Mon dessous voisin, de verre. Il se plaint à la mairie parce que les feuilles tombent dans son jardin. Ah, il y a un dessous de verre avec Mintos dessiné en mode My Fucking Mess, double procès en perspective. Quoi ouais. Aïe 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 aïe. Ouais, tout à fait. Hein. Oh là 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 là. Ah oui. Ah, Limoges, vous me faites rire, là wow. C'est les néo-ruraux, ça, chez nous. On met directement le fumier, c'est plus explicite. Bon, sur ce, moi, je vais partir. Eh bien, au revoir, Florence. Eh bien, au revoir. T'aimes pas FF14, Florence? Mais si, mais j'ai des choses à faire dans ma vie personnelle. Désolé, hein. Bah, voilà. Tu détestes le jeu. Pardon. Désolé Square Enix, hein. Moi j'ai rien à foutre. Voilà, vous payez une personne qui déteste le jeu, donc. Ouais, mais c'est pas vrai. Ah bah, c'est moi j'adore. Vrai. Moi j'adore aussi. On m'a proposé d'aller boire des coups. Ah oh. Alors qu'il y a une nouvelle extension qui vient de sortir, d'accord. Je me suis dit, prendre de la vitamine D, ça me fera pas de mal après pour les jours enfermés à jouer à FF14, justement. En fait, je prends ma petite dose avant de vivre dans le noir, quoi. Ouais, c'est ça, va lire des livres, Florence, vas-y. Elle change d'amis, Florence, par pitié, effectivement. J'avoue, c'est vrai. C'est vrai. Pas assez nerd. Des coups et quoi après? Des douches?
sont même toxiques, je pense, tes amis. Bon, allez, je m'arrache, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup pour l'accompagnement. Ouais. Au revoir. Tu continues, Antoine ? Un petit peu, mais pas beaucoup. Ok. Eh ben, ça part chez toi, alors. Eh ben oui, évidemment. Ça part chez... Ok. Des gros bisous, allez, à demain. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Alors. Petite conspiration. Là, pour l'instant, il n'y en a que deux. Effectivement, je pensais vraiment pas que la zone était coupée en deux, mais en fait, si. Elle l'est complètement. Boum! Et bim! Hop là, deuxième vent de quête éthérée là, c'est fait! Voilà. Antoine, ça sert à quoi les boules bleues? En vrai, ça sert à rien. Ça sert à compléter le carnet d'exploration. Wow! Et ça sert à rien, mais moi j'aime trop. J'ai cette petite collectionnite. D'ailleurs, attends. Carnet d'exploration. Donc là, il y a au moins deux autres points de Tully... Ah non, il y a encore deux points à Tullyolal que j'ai pas réussi à avoir. Faut absolument que je les trouve. C'est insupportable. Merci Maimo Kono pour les 27 mois. Hogan Tega, les 26 mois. Mr. D. Jungle, c'est les 29 mois. Mr. Stooge, les 11 mois. Merci Lunastrias pour le prime. Patapul, les 3 ans. Insipide, les 18 mois. Raphaël VTS, les 45 mois. Pardon ? 98... 100... Quoi, 98-100? Non, je regarde dans la SL. Oui, non, mais eux, c'est des malades. Quoi? Bah, c'est pas le cas. Ils aiment le jeu. Les scènes cinématiques qui vont suivre... sont longues et cruciales. Ah! Et cruciales. Assurez-vous d'avoir suffisamment de temps devant vous avant de continuer, Mintos. As-tu suffisamment de temps devant toi avant de continuer, ouais, Mintos? Oui, je suis éclaté. Au sol, ouais. T'es éclaté au sol, mais... Quoi ? Ouais. Je vais faire des quêtes de... Parce que ça sent la cinématique d'une heure. En vrai, c'est souvent pas si long que ça quand ils mettent ça, je trouve. Merci, Immortal. Pour être en 3 mois, merci beaucoup. C'est quoi la lune, là ? C'est quoi la lune ? Il y a un monture lune ? Oui. Attends, mais c'est... Pourquoi il y a un loporite avec une lune et un drap ? Hein ? Attends, c'est... Non, pars pas ! Putain, je peux pas faire de... Mais tu la reverras, cette mascotte. Monture. Non, c'est une monture. Tu la reverras, cette monture. T'inquiète, mec, tu la reverras, la monture. Attends, mais il y a une monture. Ah non, mais ça doit être une mascotte. Et genre, là, il y a... Genre, au palais, y'a pas. C'est une joke, là. Musée de l'eau salée. Ah, voilà, ça se paquette. Musée de l'eau salée. Le musée de l'eau salée. Oui, ça ressemble à une monture de... C'est pas un musée auquel j'irais, je pense, hein. C'est un extrême. Musée de l'eau salée, bon. Pas la dinguerie du siècle, quoi. Ah, c'est une monture de la boutique, c'est celle que je pense, quelqu'un dit dans le chat. Merci Thyroïde pour les 27 mois, merci beaucoup. Genre, y'a pas de boule bleue dans le palais là, genre. Ouais, 95 là. T'es pas encore 95 niveau. Ah, il me reste rien. Ah, le nulos, il est pas encore 95. Alors que c'est mon département. 9-5. 9-5, tout à fait. Le 9-5.
nos boules bleues, hein. Ah, c'est un mobilier. Qu'est-ce que c'est ? Un mobilier ? Pas de boule bleue au palais. Vraiment, c'est vraiment une dinguerie. Il y en a deux autres planquées dans la ville, mais je sais pas où elles sont. Ça semblerait logique, c'est souvent les endroits un peu importants. Ce sont les musiques officielles du jeu. Ouais, tout à fait. Absolument. Ah, t'as pas vu la God Zone, du coup, t'as fait l'autre zone. Ah, je pense que t'as pas encore vu la God Zone, mec. La God Zone, c'est souvent la dernière zone. Hein. Ah oui, mais elle est quand même bien, celle-là. Ah, mais carrément. Mais déjà, j'ai vu qu'une seule zone hors la ville, là. De quoi, comment ça ? De quoi ? Mais non, l'autre, pas là. Qu'est-ce que tu me racontes ? Les noms, ça a de moins en moins de sens, en fait, les noms des PNJ. Mais je suis d'accord avec toi, je trouve que là, pour le coup, c'est un point un peu compliqué de l'extension. Oui. C'est, je trouve que les noms de PNJ... Je suis un peu en mode... Je pense à un truc tribal, mais... Il y en a certains... Avec des X partout là. En mode précon. Oh, il y en a une là-bas! Un peu de variété au moins, bien sûr. Voilà. Lui là, bah, je sais pas comment il s'appelle, mec. Il me dit lui là. T'es même pas en stream, mec. Même tes viewers ne peuvent même pas voir de quoi tu parles. Le picto partage stuff avec quelle autre classe au fait? Bah, les casters, hein, globalement. Les casters, hein. Donc, mage rouge, mage noir, invocateur. Ouais, la musique de jour elle est trop bien, mais la musique de nuit aussi elle est vraiment super. Hein. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit un peu jazzy comme ça, la musique de cette zone. Perso niveau max, comment ça? Moi j'ai rien niveau max du tout. Hein. Vraiment, vraiment pas du tout, on en est même assez loin. Oh là là! Quoi? L'aléa qui donne 1,7 million. Oh. On se régale. On se régale, j'ai l'impression, Mintos. Là, vraiment, t'es goulu, là. C'est deux quêtes de VSQ. T'es goulu. 2 minutes. Lui, il s'appelle Murfurlure. Vraiment. Murfurlure. Qui est bien, les Murfurlure. Ses parents l'aimaient pas, quoi. Murfurlure. Vas-y, on t'appelle Murfurlure. Ah, je n'ose imaginer, mec. C'est le debuff, hein, c'est le debuff. Ça m'est insupportable à imaginer, bien sûr. Non, mais j'aime trop, par contre, le fait qu'elle drift les émotions. Oui. Oui, j'aime bien aussi.
Mur Furlure. Je vais plus vraiment, je vais plus jamais lui parler. Il n'existe plus. À Mur Furlure ? Ouais, mais Mur Furlure, là. Tu vas arrêter de parler à Mur Furlure ? Ah bah, dès qu'il m'a fini ma quête devant Éthéré, là. Non, ça va pas, mec. 95. Bien joué. Pas donné à tout le monde d'être niveau 95. Et toi, tu l'as accompli. Tu peux être fier de toi, mec. Ça. Lui, il s'appelle Garorlurlure. Garorlulure. Faire gaffe, ouais. Bon bah, je guess que la dernière boule est impossible à obtenir, quoi. Mais moi, j'aime bien les boules où on les voit de loin, mais elles sont difficiles à obtenir. Enfin, tu dois réfléchir pour essayer de les obtenir. Là, ce n'est pas le cas. J'espère qu'à solution 9, ça sera mieux. Mais oui, solution 9, putain. Quel dommage qu'il l'ait montré. Ouais. Ok, vas-y, je suis Picto. Petit Picto. Petit roulette gain de niveau. S'il y a une petite team qui veut être... Tu veux pas faire une roulette gain de niveau, je suppose, tu t'en bats les couilles ? Oui. Oui, tu t'en bats les couilles ? Oui. Ok, très bien. Donc, on va faire mission aléatoire. Après, si, on peut, hein. Mais... Bah, si tu veux, sinon je demande à des gens du chat, principalement. Oui, bah, je vais être commu, ça leur fera plaisir. Hein ? Je vais être commu, ça leur fera plaisir. Ok, ok. Gain de niveau, venez, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe, bien sûr. Hop là ! Un guerrier, un mage blanc et un invocateur. Ah, d'ailleurs, combien ça se vend ces pièces là ? Bonjour à vous trois. 500 ! Oh non. Ok. Quel niveau ? Mauvaise condition, c'est-à-dire ? J'arrive. Van camions de Jills, quasiment autant qu'IRL. Oh. Oh, vraiment, on fait ce donjon là ? Hein ? On fait le temple enseveli de Karn. Ah, oh là là, je suis bien content de pas l'avoir fait. Pourquoi je l'avais spammé déjà ? Ah oui, pour le carnet, pour le bestiaire, je sais plus quoi, j'avais besoin pour le bestiaire. Top 5 des pires donjons ? Non. Enfin, il est pas ouf. Ça, c'est les donjons du début du jeu, quoi. Ah ouais, en plus, j'ai aucun spell, c'est une catastrophe. MG, c'est le picto. Ouais, c'est le picto, la pi, mais sauf que là, tu tombes sur un donjon... vraiment début du jeu où j'ai aucun spell. Du coup, c'est vraiment pas le plus intéressant à regarder, là, j'avoue. Et oui, c'est le pictomancien qui est vraiment cool. J'ai eu Sastasha, t'inquiète. Et Sastasha, c'est vraiment pas le donjon que je déteste le plus, hein. Je pense qu'on l'a fait 50 fois par semaine. Non, celui vraiment que je déteste, c'est... merde, comment il s'appelle Le Zemael, la forteresse de Zemael. Et le Valdorum. Mais Zemael, c'est pire. Le manoir ? Ah non, je trouve que le manoir c'est un des meilleurs donjons de Rimrimborn en vrai. À la Tali. À la Tali. Ah, les mille gueules de Totorax, c'est vraiment pas ouf non plus. Oui, voilà. Il y a eu des reworks, hein. Juste une petite roulette à côté. Petit Praetorium là. Petit Praeto. Ah, Mante-Neige, j'aime bien. J'aimais bien. T'aimais bien quoi ? Le truc de la neige. Le donjon de la neige. Le donjon de la neige. Mante-Neige. Ah oui, mais ça, c'est... On est déjà dans Evansward avec... Enfin, c'est vraiment la fin de Rimrimborn, début Evansward, Mante-Neige. Mais oui, il est grave cool.
J'avais recommencé à peu près là, j'avais rage quit, non, j'avais quitté le jeu, j'avais recommencé à ce même moment là. On peut jouer solo ou c'est vraiment nul? Alors moi, j'ai fait quasiment toute la MSQ solo, c'est juste à partir d'Endwalker que je l'ai fait avec des gens. Et bah c'est devenu mon jeu préféré, y compris tout seul. Oui, les animes sont trop cool. C'est un peu cartoon, mais là tu vois pas tout parce que vraiment j'ai vraiment pas eu tous mes spells. Il y en a qui sont vraiment incroyables. Oh, la bibliothèque de Gubal, vraiment. Bah, c'est pas mal, Gubal. Ouais, mais c'est pareil, c'est un endroit où je m'étais arrêté, où j'ai repris, donc... Ouais. C'est quoi la mécanique du picto, du coup? En gros, tu peins des tableaux, et ensuite, tu fais les attaques avec les tableaux en question. Alors, eux, ils sont immortels, faut pas les attaquer, les deux autres, là. T'as pu essayer le Viper? Non, pas encore, je le ferai plus tard. Moi, c'était vraiment le Pictomancien que je voulais essayer. J'avoue. Oh! Anamnesis Anhydre. Ok, moi j'aime beaucoup Anamnesis Anhydre. Anamnesis Anhydre, il est très court, il est très cool et il est très court aussi. Mmh. Ça, j'aime bien. Amoroth. Amoroth, c'est un banger. Après, j'aime pas trop le refaire, Amoroth, j'avoue, mais... La première fois que tu le fais, c'est cool. Hein? La première fois que tu le fais, c'est cool. Ah oui, oui, alors ça par contre, c'est incroyable. Endwalker, qu'est-ce qu'on a de beau? Bah moi, j'aime beaucoup l'Hyperboré. Ouais, Hyperboré, c'est cool. L'Hyperboré, Vanaspati, c'est incroyable. Même si c'est, même si c'est un peu chiant de refaire Vanaspati, je trouve. En vrai, c'est de la merde. Mais non, en vrai, je trouve que... Non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que tous les donjons de Endwalker sont tous bangers, en vrai. Ah, Stigma, le rêve, les trucs des omnicons. Ah, celui-là, je l'aimais pas trop. Rêve de Stigma 6, là. Enfin, j'aime moins. J'ai aucun... Merde, j'aurais pu attaquer encore. Ah, Reset sur lune, il est incroyable. Je l'aime trop trop celui-là. Et même l'issue aux impasses, moi je trouve que c'est un donjon incroyable. Ouais, le continuum fractal, il est pas mal celui-là. Oh, il est dans les raids. Hein? Je regarde les raids là. Ouais, les raids. Je regarde les défis et tout, les trucs cool. Faudra me refaire les. Je suis en train de regarder ce que j'ai en défi et tout à faire. Enfin, qui est cool à faire. Ah oui, oui. Il y en a plein, hein. Unité de contention, Z1, P9, P1, P6, oui, P1. S1, P7. Ouais. Oui, bon. On les connaît ceux-là. La piste Manalys. Ouais, il est cool la piste Manalys, effectivement. Il était sur le chat il y a 2 secondes d'ailleurs. Contention P1, P6. I kill the crocodile. Quelle merde, Shadowbringer. Oh, la couronne de l'Immaculée. Ah ouais, trop bien. P2, là. P1, Oh, P1, Giga Smash, la P1. La P1 de la couronne de l'Immaculée. Dinguerie. Race de la gauche.
Même Titania, c'est trop cool aussi. Ah oui, Allminster, c'est un de mes donjons. Moi, les donjons de Shadowbringer, je suis moins fan, j'avoue. Même si c'est mon extension préférée avec Endwalker. Mais Allminster, je le trouve vraiment très cool. Ouais. Château de Doma. Oh, le château de Doma, quelle dinguerie ça. Trop, trop bien celui-là. Pandémonium, pandémonium. Euphrosine, t'as dit Aglaé. Oh, je pense que c'est Euphrosine dans mon cœur. Ah, je sais pas. Ouais. Aglaé, ouais, non, Aglaé, c'est cool aussi. Tali était très bien, mais j'ai fait plus fois. Le dernier est un peu moins bon, je trouve, mais il est vraiment très bien aussi. Putain, au niveau 37, c'est pas passionnant. Le... De quoi ? Non, je dis Euphrosine, ça se fait carry par sa musique. Oh, même le combat de fin est trop cool. Ah, In the Balance. Ouais, c'est vrai que c'est In the Balance. C'est celui-là, Euphrosine, hein, je confonds. C'est non, le premier. C'est Aglaé, y a, ah non, c'est Aglaé, In the Balance. C'est Moonlight, le deuxième. Et le dernier, il est plutôt cool. Bah, c'est celui avec. Je sais plus, mais il est cool. Tout le monde. Snake Eater. Hop, niveau. Hop là, petit montée de niveau. Nice. Niveau 86. Tour de cristal, des dalles antiques. Massacre. Niveau 87, pardon. Niveau 87, Picto. Bravo. Hop là. Ouais, je vais me poser devant ma quête, devant ma cinématique d'une heure, je la ferai demain. Bon, merci à vous quatre là qui m'ont accompagné. Je vais dissoudre l'équipe. Boum. Puis en vrai, je vais cut. Hein. Ouais, moi je vais me casser. En vrai, je vais cut et on reprendra demain. Demain, 14h encore dans ce zoo là. C'est 99 le level map par classe, donc c'est niveau 100. Niveau 100. Bon, un bisou, Intos. Ciao. Salut. Et merci les gens d'avoir été là. Hop, on va se quitter là-dessus.